chez vous, Perry Cochard. Ouais. Jérémy Michalak. Ouais. Pierre Bénichou. Ouais. Annie Lemoine. Ouais. Elsa Fayère. Ouais. Et Philippe Gueluc. Ouais. Bonjour. Tout va bien, bon week-end. Qu'est-ce qu'il y a, Perry? Super. Mais avant que tu ne dises quoi que ce soit, est-ce qu'on pourrait faire un hip 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 hurrah à notre oui, Laurent oui. Chéri pour le score exceptionnel qu'il a fait samedi Bravo soir patron. Ouais. Bravo patron. Bravo patron. Bravo. Vous ne devriez pas. Vous ne devriez pas. Vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. C'est vrai que sans vous, je fais beaucoup plus. C'est pas grave. Oui, mais j'avais pas pensé à ça, mais ça me trouble beaucoup ce que vous dites. Ben oui. Ah ben oui, mais moi je suis pas comme ça, tu vois. Il faut faire savoir à toute la France pour ça. Ta gueule. Non. Je crois que ce qui marche, c'est que les gens s'engueulent le samedi soir. Excusez-moi, c'est pour ça. Voilà, voilà, t'inquiète. David accroche, etc. Casse-toi. Ça, ça va booster là. Qu'est-ce qu'il y a, mon frérot? Non, je trouve ça, vraiment, j'ai déjà vu des gens qui se mettaient à quatre pattes dans leur tête, mais vraiment, comme ça... Mais c'est parce que t'es pas assez souple pour le faire que tu me dis ça. Allez, passons à la photo du jour, et cette photo, c'est celle du pape Benoît XVI, qui a tenté de s'expliquer tout le week-end suite à ses propos sur l'islam et la violence. En fait, ça s'appelle véritablement une gaffe, et ça n'est pas étonnant, hein. Franchement, ce pape-là, ils l'ont pris trop jeune. Notez bien que... Quand on voit cette photo de Benoît XVI publiée par Libération, on a peut-être une explication. Regardez, cette robe verte, une grosse gaffe. À mon avis, Roselyne Bachelot a été nommée conseillère au Vatican. Ce qui est dingue, en tout cas, dans cette affaire, c'est que quasiment tous les dimanches, à chaque occasion, le pape appelle à la paix partout dans le monde. Et suffit qu'il lâche un peu, une petite phrase, et paf, il nous provoque une guerre mondiale. En fait, les religieux, ils sont finalement beaucoup plus doués pour la guerre que pour la paix. Hein. Philippe Gueluc. Mais non, mais ça me fait penser à une autre histoire. En fait, cette conférence se passait très bien, ça allait bien se terminer, et à 10 minutes de la fin, il met une sorte de coup de boule, comme ça. Ça me fait penser à quelqu'un d'autre. Pierre Bénichou. Ben oui, mais le Zidane, lui, il a dit, après, j'aurais pas dû donner le coup de boule, mais je m'excuse pas. Ouais. Et le pape aurait dû dire ça. Ben, il s'est pas excusé, d'ailleurs, je vais vous dire. Si, si, si. Non, c'est ce qu'on attend, que Benoît s'excuse. Oh, oh. Perry. Franchement, je trouve que c'est n'importe quoi, le type. Franchement, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le type, c'est le pape. Oui. Je vous rappelle que la religion de notre ami Perry est musulmane, alors voilà. Oui, justement, je trouve qu'il n'aurait pas dû. Je pense que, bon, s'excuser ou ne pas dire qu'il a eu raison, c'est à peu près pour moi la même chose. D'ailleurs, les gens responsables du culte musulman en France ont accepté cette petite nuance. C'est les autres qui sont un petit peu extrémistes là-bas qui ne l'ont pas accepté et il faudrait peut-être qu'ils se calment. Cela dit, ça pose la question, doit-on accorder la bombe atomique à l'État du Vatican? En tout cas, le problème avec ces déclarations, c'est que Benoît XVI a été obligé de changer de papa mobile. Regardez, voilà la nouvelle. Souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé, ça a été une polémique d'ailleurs même sur ce plateau, on a débaptisé la place Notre-Dame à Paris pour l'appeler place Jean-Paul II. Bon, on n'est pas prêt de baptiser la place Benoît XVI, la place de la Grande Mosquée. Hein. Une autre photo, celle de la première femme touriste spatiale. Regardez, c'est une Américaine d'origine iranienne, nous dit le Figaro. Si c'est le seul truc que George Bush a trouvé pour se débarrasser des Iraniens un par un, il n'est pas arrivé au bout quand même. Perry. Elle est partie avec... Enfin, le Figaro disait qu'elle est partie avec deux hommes dans la navette et elle doit faire des expériences, deux expériences biomédicales. C'est quoi? C'est coucher avec les deux mecs en apesanteur ou quoi? Ne rêvez pas, Perry. Elle t'a volé ta place, t'aurais pu y aller, toi. Autre photo, celle des candidats socialistes à la candidature qui se sont succédés à Lens devant les militants du Nord-Pas-de-Calais. Ségolène Royal a ouvert le bal ce week-end avant de filer, c'était samedi, à l'Espagnol, rejoindre Zapatero. Et ce qui est curieux, regardez, entre Lens et Madrid, c'est qu'elle a eu le temps de changer de robe. Où, quand, pourquoi et comment, à la place de François Hollande qui est resté à Lens, on commencerait à se poser des questions. Lionel Jospin lui a profité du week-end pour constater, a-t-il déclaré, qu'il y avait trop de candidats. Il a raison, Lionel. C'est pour ça que c'est pas la peine d'en rajouter un. Hein.
Laurent Fabius a lui été jugé le plus incisif à Lens, surtout quand il a traité Nicolas Sarkozy de caniche de George Bush. Mais attention, il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qu'on peut comparer à un chien. Regardez Lionel Jospin, il serait pas mignon comme ça en bichon, hein? Jack Lang a été vu à Lens le soir en York Techno, très mignon aussi. Et quant à Ségolène Royal, c'est le côté royal canin, voilà. Bon alors, comment... Excusez-moi, mais elle a encore eu le temps de changer de voix. Ne me dites pas qu'il faisait si chaud à Lens si elle peut mettre un manteau de fourrure comme ça. Elle s'est mise à poil. Non mais, alors, cette histoire de comparer Sarkozy au caniche de George Bush... C'est vieux comme le monde. Ouais. Tous les Anglais ont dit ça de Tony Blair, ouais, en disant c'est le caniche de George Bush. Mais remarque, les plaisanteries les meilleures sont les plus vieilles. Hein. Il a quelque chose, hein. Le président Chirac, lui, en tout cas, était sur Europe 1 ce matin pour répondre aux questions de Jean-Pierre Elkabbach. Il faut dire que quand il a vu le monde qui attendait devant l'Elysée pour visiter son chez-lui ce week-end, il s'est dit « autant que j'emménage ailleurs ». Donc il est allé à Europe. Le président a paru en pleine forme. En tout cas, c'était juste une radio de contrôle. Je vous ai vu, Pierre. Ce matin, dans notre station favorite, oui, oui. Je vous ai vu croiser le président Chirac. Est-ce que vous lui avez parlé ? J'ai eu le plaisir de le saluer. Vous avez vu attendre là, pour lui serrer la main. Hein. Je l'ai vu, ma vie m'a fait comme ça. Et quand il est sorti du studio, je lui ai serré la main, c'est tout. Mais il vous a dit quoi ? Dites-nous, on s'en fout qu'il vous serre la main. Qu'est-ce qu'il vous ça a dit ? Ça va, mon pote ? Je sais pas, de tout. Alors, ça me fait tout de même marrer. Bénichou qui me critique parce que je me prosterne devant votre succès de samedi soir. Vous aurez dû le voir avec Chirac, il lui a baisé la main. Ah. Non, il lui a ciré les chaussures. Non, les chaussures. On aurait dit non, deux les chaussures, oui. On les aurait dit deux funestes. Vous avez deux Passons à une photo de la jeune Autrichienne séquestrée pendant 8 ans, Natacha Kampusch, dont on nous a révélé ce week-end qu'elle avait en fait passé 2-3 jours au ski avec son ravisseur. Ça s'appelle du skinnapping, hein, comme discipline. Natacha fait du jardinage, Natacha fait son marché, Natacha fait du ski maintenant. On n'arrive pas à comprendre pourquoi elle ne s'est pas enfuie plus tôt, surtout qu'au bout de 3 voyages, normalement, t'as le droit à la carte évasion. En fait, c'est quand son ravisseur lui a dit « je t'emmène voir la mer » qu'elle a préféré se tirer. C'est incroyable, cette histoire, Annie. Horrible, horrible, quoi. On est... Mais si horrible. Mais oui. Horrible. Si elle ne s'est pas tirée avant, c'est qu'elle n'avait pas le temps. Attends, parce mais que entre les courses dans les grands magasins, les séances de ski, les études qu'elle faisait, tout ça... Elle non, mais vous imaginez encore une fois dans quelle prison psychologique elle pouvait être, puisqu'elle ne s'est pas échappée à ce moment-là. Je ne connais vous... pas les prisons psychologiques. Mais il y en a plein. Je ne suis pas assez intelligent, moi. Non, sérieusement, et bien sûr que vous avez raison, Annie Lemoine. Elle était sous son emprise psychologique totale et elle ne s'est pas enfuie même quand elle était au Bien sûr, cette histoire fait beaucoup de peine, cette histoire est horrible, mais cette histoire est fascinante parce que justement, tout ce qu'on apprend, je l'avais prévu, tout ce qu'on apprend va contre la première des thèses, c'est-à-dire ça a été un martyr total. Moi, j'attends de savoir pourquoi aujourd'hui elle a décidé de s'enfuir alors qu'elle aurait pu le faire probablement il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il avait promis le Club Med à Cancun l'année d'après. Allez, on termine avec un peu de sport. Et Alexandre Vinokourov, le cycliste qui a remporté le Tour d'Espagne. Oui, c'était le Tour d'Espagne ce week-end. Et d'ailleurs, à l'arrivée du Tour d'Espagne, on a pu constater que Ségolène Royal avait encore changé de robe. Qu'est-ce que c'est sur la photo ? C'est un test d'urine, ça ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est qui tient à la main ? C'est un test d'urine ? C'est vrai, si, j'avais raison. Il n'a pas l'air très net. Hein. Si c'est vraiment un test d'urine, il y a des litres et on comprend qu'il était pressé d'arriver. Hein. Vous l'aviez peut-être découvert dans l'émission Palace, aux côtés de Jean-Michel Ribes. Il a été l'un des premiers auteurs des Guignols de l'info sur Canal+. Il était également aux côtés d'Edouard Baird dans son spectacle Le Grand Mezzé. Il est aussi le serveur du Café des Théâtres dans ce film qui a cartonné tout récemment, Feuilleteuil d'orchestre, le film de Daniel Thompson. Il s'agit de François Rollin. François Rollin a sorti le 7 septembre dernier Les Grands Mots du professeur Rollin chez Plon, un lexique de 99 mots qu'on utilise rarement et qui sont pourtant indispensables. Je vous en citer quelques-uns. Caudalie, picrocoline ou nictémère, ce qui n'est pas une insulte, on vous l'expliquera. François Rollin est également sur les planches du théâtre de la Gaîté Montparnasse, dans Sol, un spectacle du Québécois Pierre Légaré. Pour en parler tout de suite, accueillons François Rollin. Merci à dans ce petit
Jacques. Je vous ai apporté un petit cadeau parce que je me suis dit, ils disent on a tout essayé, mais c'est pas vrai, ils n'ont pas essayé. Pas des huîtres d'Arcachon, pas ça. Les piments de mon jardin. Ah. Regardez comme ils sont jolis. Alors ne les goûtez pas, ne les essayez pas tout de suite ici, hein, faut, à la maison avec un petit peu de riz. Tenez Jérémy. Ouais, merci. C'est vraiment vous qui faites ça? Oui, c'est mes petits piments de mon jardin. Et puis je me suis dit, si je mets un peu de piment au début d'émission, ça peut m'éviter quelques désagréments par la suite. Pierre, attention. Mais ça, j'ai appris ça parce que, évidemment, c'est la première fois que je vous reçois dans une de mes émissions. Et je dois dire que, dans ces cas-là, on lit pour la première fois la bio et la doc de l'invité. J'ai découvert, effectivement, que vous étiez amoureux de vos enfants, ça, c'est normal. Mais de votre jardin aussi, oui. et que, effectivement, vous jardiniez régulièrement. Oui, mais bah oui, comme tous les grands intellectuels, j'ai besoin de me ressourcer dans le gazon. Est-ce qu'il y a des mots liés au jardinage, d'ailleurs, dans ce, j'allais dire, dictionnaire, ce lexique des grands mots du professeur Rollin? Il y a très peu de mots techniques qui seraient dans le registre d'une activité ou d'un artisanat particulier. C'est des mots qu'on peut utiliser tous les jours pour les conversations au bistrot. Tu écoutes, Philippe? Oui, j'écoute. J'en cherchais. Oui. Je cherchais, non. Fatuité, non. Nyctalope, pour ceux qui enlèvent les mauvaises herbes la nuit, mais sinon, non. Non, mais il y a des mots quand même, effectivement, par exemple, sur la couverture. Fuligineux, on le dit moins souvent, déjà. Oui, fuligineux, on le dit moins souvent, c'est parce qu'on porte peu d'habits fuligineux. Fuligineux, c'est qu'il y a la couleur de la suie. Mais enfin, par exemple, cette veste n'est pas loin d'être... On est heureux que vous soyez venu aujourd'hui, parce que si vous aviez souffert de procrastination, il en aurait été autrement. Ça ne le traite pas, celui-là, je crois. Non, je sais, vous savez ce que ça veut dire. C'est remettre au lendemain. Ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. Il y a un humoriste anglais qui dit « il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le surlendemain ». Bon, en tout cas, ces mots, vous les utilisez aussi sur France Culture, dans L'œil du larin. Ça continue, ça aussi? Oui, maintenant, je suis le samedi, juste avant Frédéric Mitterrand, qui fait un grand direct le samedi après-midi sur France Culture. Vous expliquez les mots qu'il va employer après. Voilà, oui. C'est un peu ça. Les grands mots du professeur Rollin, chez Plon, Annie Lemoine, vous avez feuilleté? Oui, parce qu'en fait, on apprend des choses. J'ai fait plein d'erreurs. Il y a plein de mots que je connaissais pas. Il y a aussi des faux amis. Par exemple, chafouin. Dire de quelqu'un qu'il est chafouin. Alors, je savais pas vraiment, c'est de dire, vous savez ce que c'est? Grognon un peu, non? Oui, moi aussi je pensais, t'es chafouin aujourd'hui, pas du tout. Ça veut dire qu'il est sournois et rusé, donc j'étais complètement à côté de la plaque. Et puis il y a des jolis mots qu'on n'emploie jamais, mais impavide, quelqu'un d'impavide, c'est super joli. Toujours impavide. Ça quand même, c'est plus. Rester impavide, c'est pas un mot qu'on emploie tout le temps. Un peu plus fréquent. On dit pas Maurice, t'es impavide aujourd'hui. Les jeunes, moi j'ai encore entendu des jeunes. La conversation, en tout cas dans l'écriture, on l'emploie. J'ai encore entendu des jeunes tout à l'heure dans le métro qui disaient, regarde, il est impavide lui. J'allais vous demander pourquoi, par exemple, le mot cornichon est dans ce livre. Mais quand je vois que vous nous amenez des piments, je comprends mieux. Oui, et puis, alors, cornichon, je le réhabilite dans son sens figuré, hein, parce que je voudrais qu'on ne dise pas tout le temps une bande de cons. Je trouve ça un peu trivial. Si on dit d'une bande de cons, ils sont quand même cornichons. Non. Je vous assure, je vais essayer de réinstiller ce mot dans le langage des jeunes de banlieue et bientôt ils diront oh, l'autre, le cornichon. Vous voulez essayer de réinstiller ce mot? Oui. Il est coruscant, hein, tu trouves pas? Elsa Fayer, vous l'avez lu, vous aussi? Ah oui, je me suis beaucoup amusée. Alors, j'ai réussi à vivre 31 ans sur la planète Terre sans utiliser un traître mot de votre lexique. Donc, c'est un exploit. Oh, quand même. Non, mais sinon, ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire des vacheries et être les seuls à les comprendre. Par exemple, Laurent, si j'ai envie de dire que vous êtes maflu ce matin. Oui. Hein, moi, Non, c'est joufflu. Mais pour le public, ça risque d'être quand même un peu la race poutista. Rasputitsa. Voilà, mais ça m'amuse. J'aimerais qu'on voit tout de suite un extrait du spectacle de François Rollin qui n'a rien à voir avec ce bouquin, puisque c'est un spectacle adapté, tiré des textes de Pierre Légaré, qui est quelqu'un que je connais bien pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises à Montréal. Il est québécois et moi j'adore ce qu'il fait, donc j'imagine que ça doit être formidable sur scène. On donnera quelques exemples encore après de ces textes que vous interprétez, si j'ai bien compris, au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Mais regardons d'abord quelques extraits. Je vais à la quincaillerie pour acheter une boîte de vis. Le vendeur me sort un mot que j'ai jamais entendu, je l'achète. Actuellement, j'ai 4 litres de lining dégriseur dans ma cave. Je n'ai aucune idée de à quoi ça sert. Quelqu'un qui est né de parents inconnus et qui n'a pas d'enfant. Son arbre généalogique, c'est un bâton. Les noms des marques, des produits. Il faut que ce soit des noms auxquels on s'attend. Sinon, on n'achète pas. Chez Bébert, épicier. On est tous prêts à y aller, ok? Chez Bébert, gynécologue. Avant de mourir, on voit passer le film de notre vie. Les aveugles, c'est la bande-son. Pourquoi les crottes de moineau sur une voiture blanche, c'est noir, sur une voiture noire, c'est blanc? Alors, l'humour de Pierre Légaré, il faut le dire,
Moi, je suis, mais alors, à 100% là-dedans. Je sais Philippe Gueluc aussi. J'en connais aussi parce qu'une fois, j'en avais donné quelques-uns à la radio. Pierre Bénichoux, il ne comprend rien. Vous comprenez que certaines personnes puissent être hermétiques à ça? Moi, j'ai du mal à comprendre. Hermétique, mais... il n'est sûrement pas hermétique, Pierre, mais... À quoi? À ce genre d'humour-là. Si, moi, mais enfin, j'ai... je veux dire, sans affaîtrise, je peux vous dire... Ah non, vous n'en comprenez pas la moitié, généralement. Bon, écoutez, il y en a une dizaine dont je ne connais pas le sens. Je parle pas des mots, là, je parle du spectacle, on reste... Ah, l'humour, oui. Ah oui, l'humour, je comprends pas l'humour. Il comprend même pas ce que je dis, alors, vous voyez. Ne parlez pas de ça. Philippe Gueluc. Alors, je vous ai vu hier soir, j'ai adoré. Il y en a une qui m'a manqué dans le spectacle, c'est un tatouage drôle, ne coûte pas plus cher et peut changer complètement l'ambiance d'une autopsie. C'est génial. C'est formidable. Alors moi, comme vous pouvez imaginer, je suis client à fond de l'humour de Légaré. On doit faire gaffe parce qu'on travaille un petit peu, moi, avec le chat, lui, dans ça. On travaille parfois un petit peu sur les mêmes sujets. D'abord, première chose en arrivant au théâtre, l'affiche. Elle est géniale. Je trouve que c'est un jeu d'image, un jeu de mots, de vous avoir mis quatre fois pour un spectacle qui s'appelle Seul, chacun avec une lettre du mot seul. Et puis, j'ai l'impression qu'on voit arriver sur scène un ami qui arrive. D'abord, vous n'avez pas de costume de scène, je voyais que sur les documents, voilà, y a pas de, on a l'impression que vous sortez de chez vous. Et puis, vous vous mettez à nous parler de choses qui nous concernent tellement. Et c'est ça, j'ai aimé ça dans certains sketchs de Gad Elmaleh aussi, c'est quand on nous parle d'un truc que personne n'a souligné, mais qui arrive à tout le monde. Et je trouve le spectacle drôle, intelligent, Pierre. Et c'est vrai que cet humour particulier, cet humour au second, voire au troisième degré, demande parfois une parcelle de seconde de plus que l'humour au premier degré. Allez. Pour percuter. Et alors, on doit vous reconnaître une véritable honnêteté, cher François Rollin, parce que, effectivement, vous jouez ce spectacle en disant texte de Pierre Légaré, parce qu'il faut quand même savoir que Pierre Légaré, qui a écrit pas mal de ses aphorismes ou de ses pensées il y a déjà maintenant 10 ou 20 ans, a été pillé, parce qu'évidemment, lui, oh là là. Il était outre-Atlantique, là-bas, au Québec, oui, oui. Et qu'il y a des tas d'humoristes en France qui se sont servis de ses phrases qu'on sans jamais. Qu'on ne nommera pas là, hein, qu'on ne nommera pas, mais sans jamais citer un seul de ses textes. Oh là là. Voilà, vous avez au moins l'honnêteté de dire son nom. Alors, par exemple, il y a une phrase qu'on a entendue, réentendue, re-re-entendue, c'est sur les boîtes noires des avions. Celle-là, vous la connaissez par cœur, non? Ah, bah, c'est. Quand il y a un accident d'avion, on retrouve toujours la boîte noire. Alors pour intact. Alors pourquoi on construit pas les avions dans le même métal que la boîte noire? Voilà. Perry. Alors là, je sais pas si on a bien fait d'envoyer Perry Cochin au théâtre Montparnasse parce que je suis pas sûr que ce soit son genre d'humour. A priori, non. Ah. Je suis pas complètement cliente, mais j'ai été prise par le truc. J'ai regretté franchement de pas avoir le texte tout de suite, mais je vais aller l'acheter parce que effectivement, c'est des choses qu'on a envie de lire plus que d'écouter pour avoir le temps. Le temps de comprendre. Mais non, pas de comprendre, parce que tu les comprends très vite, mais d'y repenser après, on se dit, il en dit tellement, c'est une avalanche de phrases comme ça, qui sont les unes plus incroyables que les autres, on se dit, mais pourquoi il a pensé à ça? Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait deux, trois thèmes qui étaient largement éculés, par exemple sur la femme qui vit sur une autre planète que l'homme, ouais. Vous et votre femme, c'est des choses qu'on a déjà beaucoup vues, beaucoup entendues. Je veux pas vous enfoncer. Non, mais je veux pas être désagréable parce que franchement, j'ai passé un bon moment. J'étais pas écroulée de rire parce qu'on éclate pas de rire toutes les deux secondes. Il faut le signaler. C'est pas un spectacle où c'est des éclats de rire. Sauf toute la salle, on éclate pas de rire toutes les deux secondes. Les grands mots du professeur Rollin, c'est chez Plon et vous le retrouvez sur France Culture avec une rubrique autour des mots qui s'appelle L'œil du larynx. Et autrement, vous pouvez aller voir sur scène les dimanches et lundis dans ce spectacle Seul. De Pierre Légaré, François Rollin, qu'on voit aussi de plus en plus, je voulais dire, au cinéma. Dans le film de Bertrand Blier, on vous avait vu, c'était Combien tu m'aimes. Ouais. Là, alors, quel carton là, vraiment, oui, le film a très, très bien marché. Tirez le bon numéro dans Fauteuil d'orchestre, le film de Daniel Thompson. C'est, de toute façon, moi, le cinéma, alors là, vraiment, j'adore ça, c'est formidable. On est traité comme un prince, on est bien payé pour jouer avec des gens formidables. Ah, j'ai joué avec Depardieu, avec Le Mercier, avec Dupontel. C'est vraiment, c'est un beau métier. Mais est-ce que le fait que ce film-là, Fauteuil d'orchestre, ait atteint quelques millions de spectateurs et la sortie du DVD est aussi un succès. Est-ce que là, ça veut dire qu'une fois encore, vous franchissez une étape et on vous demande plus souvent encore au cinéma? Pour l'instant, pas trop, mais je pense que ça va arriver. Oui, je pense que ça se passe à peu près comme ça. Mais alors, il y a un petit décalage parce qu'ils sont en train d'écrire les films maintenant. Évidemment. Ils les mettent en production. Puis voilà. Mais j'espère que ce sera comme ça parce que moi, je trouve ça bien intéressant et ça élargit un peu mes activités. Gueluc, dernier mot. Quelle belle réussite pour quelqu'un qui avait commencé. Je veux dire, au départ, je ne sais pas si vous savez, mais son premier spectacle, son premier one-man show s'appelait Hirondelle de saucisson.
Même moi, j'aurais pas osé François Rollin. Personne n'aurait osé faire si ça. Si j'avais su ça plus tôt. Personne n'aurait osé faire ça. Peut-être qu'à Canal Plus, à l'époque, vous avez commencé à travailler sur les Guignols. Vous avez croisé Jérôme Bonaldi. Bien sûr, que j'aime. Alors le voici, Jérôme Bonaldi. Pourquoi vous êtes les mains dans les poches ? Pour symboliser le français moyen heureux. Ah. Imaginez, vous allez en week-end, vous allez chez votre belle-mère pour faire partager vos films, vos photos, vos vidéos, les films de vos vacances, les musiques que vous aimez. Inutile d'avoir un ordinateur, il suffit d'avoir, je le sors de ma poche, ça. Ça, c'est un disque dur, 200 gigaoctets. En français, ça veut dire que je mets... Mais il faut le dire tout de suite, c'est 200 gigas. Ça veut dire que là-dedans, je peux mettre 100 films en DivX, ou bien... C'est un disque dur parce qu'il avait la main dans la poche depuis un petit moment déjà. Ou bien 57 000 photos, ou bien 17 000 titres de musique. Et c'est livré avec ce genre de câble, un petit peu gros certes. Vous le branchez d'un côté, et là, c'est sur la prise Péritel. Vous allez chez votre belle-mère, vous allez... Elle n'a pas l'ordinateur. Mais pourquoi c'est sa belle-mère, le pauvre ? Vous allez chez quelqu'un qui n'a pas d'ordinateur. C'est fini, on peut s'en passer, c'est la grande morale de l'histoire. Tout le monde a bien une télé, et sur la télé, il y a obligatoirement une prise Péritel. Vous prenez votre machin, vous le branchez, alors voilà un poste de télé presque habituel, je le foutis... Hop, branchage d'un côté. Ça va pas marcher. Mais non, ça va marcher. Hop, je sors la télécommande qui est vendue avec. Et là, regardez, j'ai mes films, ou bien ma musique, ou bien mes images. Je vais choisir mes images pour faire profiter à la grand-mère, de mes photos de vacances. Ouais. Voilà. C'est simple, vous avez vu ? Oh, qu'il est mignon ! Hein, elle est mignonne, c'est une petite fille. Vous la reconnaissez ? Non, c'est qui ? C'est Youyou ! Oh. C'est Youyou, c'est ma fille, enfin on l'a adoptée à plusieurs, voilà. L'idée elle est, on peut aujourd'hui de plus en plus se passer des ordinateurs. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que d'un seul coup, ça devient plus économique et surtout beaucoup plus simple. Aujourd'hui, là, vous avez toute votre mémoire. Autre exemple. Mais un film aussi, on peut faire passer un film. 200 euros. 80 gigas, c'est 200 génial. Euros. Mais ça baisse de plus en plus le c'est prix génial. De ces choses. Moi, j'attends, par exemple, pour la télé couleur, j'attends que ce soit vraiment bon marché et au point. Autre exemple. Ça. Ça, c'est un autre truc. Regardez, d'un côté ici, il y a des tas de prises, pour afficher dedans toutes les mémoires de ces appareils photonumériques. Là, vous avez des connectiques pour mettre votre VHS, la caméra de télévision, le caméscope, tout, et vous le gravez directement. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton. Pof ! Vous êtes en vacances, vous avez ce truc-là, vous devez tourner un film. Oh, tu pourrais pas me faire une copie ? Aucun problème, ça coûte un disque vierge. En 10 minutes, c'est fait, et pour 1 euro, vous donnez à quelqu'un toutes vos photos, toutes vos images. Non, mais c'est génial pour les enfants, parce que quand on part en vacances, on stocke quelques dessins animés, on a la paix pendant la douche. Quelque chose de plus simple, Jérôme Bonaldi, pour Pierre Ménichou. Ça, c'est tout bête, c'est pour se faire du café au bureau ou chez soi. On remplit le robinet de l'eau normale, pas besoin qu'elle soit décalcarisée, parce que regardez, à l'intérieur, il y a un petit filtre. Et surtout, ça vous fait de l'eau chaude à volonté, quand vous voulez et où vous voulez. Vous me direz, oui, mais les bouilloires, ça existait déjà. Sauf que la bouilloire, il fallait chauffer toute l'eau. Là, l'eau, elle reste froide, économie d'énergie, et ça ne chauffe l'eau que lorsque je le désire. Regardez, j'appuie sur le petit bouton. Il y a deux solutions. Hein. Là, c'est le premier bouton. C'est calibré pour faire 225 millilitres, pas plus. Et ça peut enregistrer combien de films aussi, ça? Ça enregistre pas de films. Quoi, l'eau froide coule chaude. Voilà. L'eau froide qui est là coule chaude ici. Non, c'est pas possible, ça. C'est génial, ils vont faire un truc comme ça pour les raviolis aussi. Au lieu de chauffer tous les raviolis, ils te les chauffent un à un. Mais c'est presque ça. C'est presque aussi génial que ça. Comment ça chauffe, alors? Ah, merci. Voilà, regardez. Elle est pas belle, là. L'eau, elle rentre par ici, par le petit tuyau que vous voyez ici. Elle monte à l'intérieur d'un serpentin. En fait, c'est le système de la bite chauffante, quoi, que vous connaissez peut-être. De la quoi? La bite chauffante. La bite chauffante. La bite chauffante. C'est quoi? Un serpentin. Qu'est-ce que c'est que ça, Jérôme? Tout le monde appelle ça une bite chauffante. C'est un serpentin qu'on trempe dans l'eau et qui chauffe toute l'eau. Là, simplement, c'est une bite sérigraphiée. Ah. Et ça, c'est un vrai plus technologique. L'eau, elle monte comme ça et elle ressort par ici. C'est le même système que les cafetières électriques qui font couler l'eau. Simplement, là, ça les fait couler à la demande. Ouais. Non, dans un bureau, c'est pas mal, c'est vrai. C'est pas bête. Bravo, Jérôme Bonaldi. Bravo, Jérôme. C'est tous les dimanches et lundi, le livre Séché Plomb. Le spectacle s'appelle Sol. Donc, on l'a dit, à la Gaîté Montparnasse. Merci, François Rollin. Merci à vous. La semaine dernière, François Fillon a déclenché une vive polémique en affirmant qu'il était grand temps de réformer les régimes de retraite spéciaux qui permettent à certains nombres de fonctionnaires français, de la RATP, de la SNCF, d'EDF ou même de La Poste, d'arrêter de travailler dès l'âge de 50 ou 55 ans,
tout en laissant aux autres Français le soin de financer leurs pensions, leurs retraites. La gauche, évidemment, est contre cette éventuelle réforme, mais la proposition de François Fillon a trouvé un écho plutôt favorable auprès de la population, puisque 59% des Français seraient pour cette réforme, selon un sondage paru vendredi dernier dans le journal Le Parisien. Faut-il réformer les régimes de retraite spéciaux? Bien, l'invité que nous allons accueillir maintenant est pour. Il est député maire de Seine-et-Marne, plutôt proche de Nicolas Sarkozy. Voici M. Yves Jégo. Vous avez entendu le président Chirac ce matin sur ce sujet, oui. Peut-être. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit en deux mots? Il a dit que dans les mois qui restaient de son septennat, ce n'était pas une réforme qu'il inscrirait à l'ordre du jour et que ça ferait l'objet évidemment des discussions pour la prochaine élection présidentielle. Je crois que des sujets aussi importants de ça, qui concernent des centaines de milliers de Français, ils méritent d'en débattre, mais d'en débattre avant et de le faire après, parce qu'on avait une mauvaise habitude dans notre pays, c'est que souvent les sujets un peu dangereux qui politiquement pouvaient être risqués, qui pouvaient vous enlever des voix, on n'en parlait pas avant les élections. Dormez, braves gens, tout ira bien après. Et comme on n'en avait pas parlé avant les élections, souvent on ne le faisait pas après les élections par manque de courage. Eh bien là au moins, le débat il est sur la table, les gens peuvent se prononcer. Nicolas Sarkozy a donné son sentiment et le débat est ouvert. Eh bien, monsieur Jégo, vous êtes admirable. Je vous remercie. Parce que moi aussi, vous êtes admirable et je vous admire, parce que moi aussi j'ai entendu en direct, parce que j'étais dans le studio. Le président Chirac parlait... Il était dans le studio carrément, tout à l'heure tu lui serrais la main devant. Bientôt il parlait à sa place. Vous permettez, oui. Bon, alors, parlait ce matin et il a dit, les régimes, il a commencé par dire, s'il y a des régimes spéciaux, c'est parce qu'il y a des... Raisons spéciales. Des raisons spéciales. Ce n'était pas seulement une tautologie, c'était qu'il voulait dire que, attention, on ne va pas commencer à dire, oui, on va foutre ça en l'air. Donc il était contre ceux qui ont dit, comme M. Fillon, nous allons donc supprimer les régimes spéciaux. Il a dit, les régimes spéciaux, il ne faut pas les supprimer, il faut peut-être les aménager, parce que c'est vrai qu'il y a des gens que, dont la pénibilité du travail n'est plus la même qu'elle l'était au début du siècle, mais il n'a sûrement pas dit ça. Alors ce que je voudrais vous poser comme question... François Fillon n'a pas dit non plus qu'il fallait les foutre en l'air, comme vous dites. François Fillon a dit qu'il fallait se poser cette question et mettre tout sur la table. Ouvrons le débat, ouvrons la négociation. Et d'ailleurs, M. Sarkozy a dû lui faire sûrement des remontrances, puisqu'il a dit après, « Oh, je l'ai donné que mon idée personnelle. » Alors, de vous à nous. Il s'est fait engueuler, Fillon, non, quand même, par Sarkozy. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il s'est fait engueuler. La vraie question, au moment où il y a de plus en plus de personnes qui sont âgées, on part travailler de plus en plus tard, on n'a plus les moyens de financer nos régimes de retraite, c'est est-ce qu'il faut accepter qu'il y ait des régimes à part dont on ne parle jamais? Ça ne veut pas dire tout remettre en cause, ça ne veut pas dire prendre en compte la pénibilité du travail. Nicolas Sarkozy n'a pas dit autre chose l'autre soir sur France 2 qu'il souhaitait qu'on ouvre une négociation, qu'on parle de tout cela sans tabou, sans a priori. Ben, j'ai entendu la même chose dans la bouche de Jacques Chirac ce matin, simplement il a dit ce sera pour 2008. Non, vous savez bien qu'il y a trois nuances et vous êtes trop politique pour ne pas le savoir. Il y a eu Fillon qui était péremptoire, Sarkozy qui était dilatoire et Chirac qui était négatif sur ce truc-là. Et vous le savez. Écoutez, comme moi. Écoutez, l'important c'est qu'on aboutisse. L'important c'est que l'on dise la vérité. L'important c'est la vérité. Et l'important pour moi, c'est que ceux qui nous écoutent, qui ont cotisé au régime général, qui ont donné 1 euro et qui retouchent 0,80 €, c'est les chiffres des économistes, ils aient le sentiment qu'à travail égal, qu'à salaire égal, on a une retraite égale. Aujourd'hui, la moyenne dans les régimes spéciaux, celui qui a donné 1 euro, il retouche 3,80 €. Il y a une injustice, et une injustice sociale. Alors, ne disons pas on va remettre en cause tous les avantages de tous les régimes spéciaux, disons on ouvre le débat, on a le courage d'en parler, et moi je dis que c'est la première fois qu'on en parle avant les élections, même si c'est casse-gueule électoralement. C'est le courage d'aborder des sujets qui fâchent. Annie Lemoine. Je ne sais pas si c'est du courage, ça peut se discuter. Parce que ça tombe sous le sens, la durée de la vie rallonge, il y a de moins en moins de gens pour financer les retraites, donc il faudra bien trouver de l'argent. Et je pense qu'on s'assure un vrai succès d'audience quand on dit, sauf les 5 millions de personnes concernées, bien évidemment, ça concerne 5 millions de personnes. Mais quand on dit il faut travailler un peu plus longtemps, parce qu'on doit tous être solidaires, je pense que, oui, ça tombe sous le sens. Mais pourquoi s'attaquer uniquement aux régimes spéciaux? C'est une vaste réforme que doit
subir les retraites aujourd'hui en France. Pourquoi Sarkozy met le doigt uniquement sur ça, sur ce qui blesse? Parce que la vaste réforme, elle était engagée. Le gouvernement Balladur l'a commencé. François Fillon en a remis, si j'ose dire, un élément dans la loi de 2004. Il aurait pu s'attaquer, pardonnez-moi, à l'autre côté, au Golden Parachute, au Stock Option, mais ceci n'est pas exclusif de cela. Au nom de quoi, effectivement, parce qu'on parle des régimes spéciaux, on va s'exclure de s'attaquer aux patrons qui prélèvent sur leurs entreprises des sommes totalement insupportables, et on va essayer de remettre une situation plus saine dans les finances publiques. Ceci n'est pas du tout exclusif de cela. Il faut simplement, je crois, avoir le courage de dire aux Français, il faut arrêter le discours de voter pour moi et tout ira bien. Il y a un certain nombre de sujets, vous le dites, ça tombe sous le sens qu'il va falloir réformer. Le régime de retraite en fait partie, mais commençons les choses et au moins ayons le courage de le dire aux Français. Gueluc. La pénibilité du travail, c'est aussi une chose qui a changé, on le disait, dans l'histoire. Il est normal que, par exemple, quelqu'un qui fait le métier de kamikaze puisse prendre sa retraite plus tôt qu'un autre, parce que le travail est plus risqué. Bien sûr. Le travail. D'un autre côté... Vous voulez parler de Lionel Jospin? D'un autre côté... Non, non, mais il faudrait... Ce serait intéressant, mais ce serait trop long de faire la liste des travaux. Non, vraiment, pénible. Mais non, moi, je me pose une question en termes... Pensez aux pompiers, par exemple. Ah, les pompiers font un travail aujourd'hui qui est indéniablement un travail difficile, dangereux, etc. C'est normal qu'ils bénéficient d'un régime favorable ou favorisé, ou je ne sais pas comment dire, un régime spécial. En plus non, tu ne trouves pas? Oui, bien sûr, d'autant qu'un pompier qui viendrait vous sauver à 70 ans, c'est moins sexy déjà. Oui, donc le pauvre. Non, et si, il faudrait vraiment prendre en compte aussi ce qu'on a fait, le volume de travail accompli pour pouvoir. Par exemple, si on calculait sur le volume de travail accompli dans une vie, Pierre Bénichou ne pourrait pas prendre sa retraite. Tout de suite. Pierre, il commence seulement à cotiser. Mon pauvre ami. Mais la question, la question plus sérieuse que je me pose. La question. La question plus sérieuse. Comme 59% des Français sur un échantillon de 32% du service public, je vous méprise. Voilà. La question plus sérieuse que je voudrais poser est celle-ci. Il est évident qu'une personne qui part à la retraite, un peu plus tôt, un peu plus tard, peu importe, libère un emploi pour un jeune qui arrive sur le marché du travail, qui va cotiser aussi pour les retraites. Alors, est-ce que sur un marché du travail qui ne donne pas du travail à tout le monde, est-ce que ça change vraiment quelque chose de libérer, de mettre des gens à la retraite pour libérer du travail pour les jeunes, ou de faire travailler les vieux un peu plus longtemps ça, et qu'il n'y ait pas de travail pour les jeunes? Ça, c'est la très bonne question. C'est la bonne question qui vient se heurter à une réalité démographique, à ce qu'on appelle la bombe démographique, qui fait que les papy boomers, ceux qui ont 60 ans, qui vont avoir 60 ans, qui sont nés dans le grand après-guerre, vont partir en retraite, qui sont très nombreux et qui donc vont libérer beaucoup de postes de travail, mais qui vont être aussi ceux dont on va payer les retraites. Et vous savez que les retraites de ceux qui les touchent sont payées par ceux qui travaillent. Et donc on va avoir un vrai problème d'avoir moins de gens qui travaillent et plus de personnes à financer. Donc pour répondre à votre question, il y a eu très longtemps où dans notre pays, compte tenu de la pyramide des âges, faire partir quelqu'un en retraite plus tôt était bon pour le chômage. Aujourd'hui, ça va être le problème inverse qui va se poser, parce que faire partir quelqu'un en retraite plus tôt va être mauvais pour financer sa retraite. C'est ça l'inversion des phénomènes qui est liée simplement à un phénomène démographique. Thierry Cochin. Mais vous avez dit quand même, ce n'est pas en cédant aux pressions des lobbies qu'on va faire évoluer la situation. C'est-à-dire, vous pensez que c'est bien d'aller insister, style ce qui s'est passé au moment du CPE, et on s'en fout des lobbies et on va passer au-dessus. C'est quoi l'idée exactement? Sur le CPE, le problème était que pratiquement personne n'en voulait du CPE, et que faire un bras de fer avec la moitié de la France pour quelque chose qui, somme toute, n'apparaissait pas, y compris aux chefs d'entreprise eux-mêmes, comme fondamental, ça semblait beaucoup de choses. Non! La réforme des retraites, c'est quelque chose que chaque Français a bien à l'esprit, parce que chaque Français se dit qu'il a cotisé toute sa vie et qu'il a envie de pouvoir toucher sa retraite. Donc je pense qu'il faut faire en sorte qu'après une élection, après une échéance politique, on a dit avant ce qu'on allait faire après, où le peuple a tranché, eh bien on ait les capacités de dire aux syndicats, soyons raisonnables, trouvons une porte de sortie. Et puis s'il y a quelques lobbies et quelques manifestations, il faut aussi les assumer sereinement, il faut aussi que les gens s'expriment d'une manière ou d'une autre. Elsa Fayer. Vous allez vous occuper également des parlementaires, des journalistes également, qui ont une forme de retraite un peu... Il n'y a aucune raison que le régime spécial des parlementaires ou des journalistes ne soit pas mis sur la table avec les autres. Mais vous allez vous en occuper, parce qu'on en parle moins. Il n'y a pas de régime spécial de retraite pour les journalistes. Je peux vous dire que les réactions sur Internet sur ce sujet, je reçois des mails tous les jours où on me dit « Et le régime spécial des parlementaires, est-ce que vous allez vous attaquer ?» Évidemment, évidemment.
Évidemment qu'il faut s'attaquer au régime spécial des parlementaires. La retraite de Jacques Chirac, nous en occuper. Il a dépassé l'âge légal de la retraite, donc... Je dois vous dire qu'il n'y a pas de régime spécial de retraite pour les journalistes. Pour les parlementaires, oui. Il y avait les déductions d'impôts qui sont maintenant plafonnées à 50 000. Vous voyez, les lobbies sont tout de suite en marche. On ne peut pas parler de ces sujets sans que vraiment ils montent au créneau. Il n'y a jamais eu de départ à la retraite. Au contraire. Non, mais je lisais un article dans la presse la semaine dernière où il y a un journaliste qui disait que simplement Sarkozy et Fillon mettaient le feu aux poudres. De toute façon, c'est pas grave, c'est Villepin qui payera les pots cassés. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, celui qui assumera, c'est celui qui sera choisi par les Français. Le futur président ou la future présidente. Exactement. Et puis moi, je crois, avant de véritablement lancer le débat sur la place publique, je crois qu'il faut aussi regarder ce qui se passe autour de nous, dans d'autres pays. Voir les systèmes de retraite dans des pays européens, par exemple, et là où ça marche bien. Je prends un exemple, le Vatican. Pape, par exemple, je veux dire, les types, ils travaillent jusqu'au bout. Ils partent pas à la retraite et il n'y a pas de pension, il n'y a pas de retraite à payer. C'est les jeunes qui cotisent. Et voilà, pourquoi on ne ferait pas comme ça chez nous? C'est vrai, mais la pyramide des âges des papes... Ah oui. Allez, ce sera le mot de la fin. Bon, merci. Yves Jégo, député maire UMP de Seine-et-Marne, qui est venu nous parler de la réforme éventuelle des retraites. Merci. Merci à vous. Merci. Mercredi sort dans toutes les bonnes salles de cinéma Président, un film à suspense de Lionel Delplanque qui nous plonge dans les coulisses du pouvoir et de la vie quotidienne d'un président de la République en France. À l'affiche, on retrouve Albert Dupontel dans le rôle du chef d'État, mais également Jérémy Régnier, Mélanie Doutet, Claire Nebout et Claude Riche. En attendant peut-être la présidente, qui a prévu elle de sortir en juin prochain avec dans le rôle titre Ségolène Royal, accueillons deux des comédiennes qui jouent dans le film, l'une la femme du chef d'État, l'autre la fille du chef d'État. Voici Claire Nebout et Mélanie Doutet. En quelque sorte, disons-le, Mazarine et Daniel Mitterrand. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça commence très mal. Ah là là là. Alors, qui joue la femme et qui joue la fille? À votre avis? Ah, mais moi j'ai vu le film. Mais vous faites plus jeune que Bernadette, c'est certain. Ah, ça, je vous remercie. Ah non, mais franchement, avouez-le, dans le film quand même, oui, mais vous êtes plus ressemblante par rapport à Daniel Mitterrand qu'à Bernadette Chirac, c'est évident. Oui. Quoi. Enfin, je forme un très joli couple, je trouve, avec Albert. Oui, puis, ouais. On est très convaincants et Albert est très crédible. Oui, quant à Mazarine Doutet. Alors, je tiens vraiment à préciser que le personnage n'est ni inspiré de Mazarine, ni inspiré de Claude Chirac. C'est déjà parce qu'elle est complètement assumée, elle est reconnue par la France. En plus, je pense qu'elle rejette un petit peu le statut de son père, donc elle n'est pas du tout dans ses aventures politiques. Pareil, physiquement, vous ressemblez un peu plus à Mazarine Pinjot qu'à Claude Chirac, c'est évident. Oui, mais c'est un hasard. Tu parles. Heureux. Président, la bande-annonce. La première fois que je me suis présenté à des élections, j'ai perdu. J'étais jeune. Pour moi, c'était comme la fin d'un monde. Seul le vainqueur ne croit pas au hasard. Mais il était là, à mes côtés. Et d'un coup, l'accablement s'est évanoui. J'ai été élu pour remettre l'exigence de justice sociale au premier plan, et c'est ce que je fais. Ça va. T'es gentil, hein? Pas avec moi. Mathieu, quand je t'ai vu, j'ai su que tu serais pas le meilleur. Juste le seul. Nous avons de fortes présomptions de transferts financiers illégaux. C'est quoi cette équipe de merde? Il faut que je regarde la télé pour savoir ce qui se passe autour de moi. Il est stressant, hein? Qui ça? Pas mon père. Monsieur le Président. Non, mais en vrai, c'est un type bien. Tu sais, je l'aime, ton père. Je l'aime comme un fils. Frédéric, j'ai besoin de votre aide. Il faut qu'on passe par vos amis dans la magistrature pour calmer cette juge. J'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment heureux, maintenant qu'il est là, sans plus rien à conquérir. Est-ce que vous savez pour qui vous travaillez? Pour un homme qui va être réélu. Si tu veux jouer avec nous, tu dois connaître les règles. Avoir le pouvoir suprême, finalement, c'est facile. Mais être heureux. Président, sur les écrans mercredi, je dois dire, parce que j'ai eu la chance de voir le film, que
Dans les 5 ou 10 premières minutes, j'ai eu un peu de mal à m'habituer à Dupontel, que j'ai trouvé excellent après par la suite, pour la simple et bonne raison qu'on est tellement peu habitué chez nous en France à avoir un chef d'État aussi jeune, que dans un premier temps, je me suis dit, mais attends, il faut que je m'y fasse. Et finalement, il est évidemment parfait dans ce rôle. Mais vous savez, Laurent, on a mis du temps aussi à s'habituer à Chirac. Hein. C'est vrai que, bon, voilà, dans un premier temps, il a fallu s'imaginer qu'en France, ben, on aimerait bien peut-être avoir un jour un homme ou une femme politique de cet âge-là. Et qu'après, on le trouve. Ah, t'as qu'à voter Nicolas et tu l'auras. On le trouve excellent dans le rouvet. J'ai dit un homme ou une femme, vous aurez remarqué. J'ai entendu. En tout cas, voilà, on s'habitue très vite à Dupontel et très vite, on voit qu'il est excellent dans le rôle. Annie Lemoine, vous avez vu le film ? Oui, j'ai trouvé ça très réussi dans l'interprétation, dans ce que vous jouez, avec beaucoup de finesse. Sur le scénario, j'ai quelques petites. J'ai pas tout compris, j'ai demandé des c'est juste à moi que tu viens demander des explications. Oh la boulette. Alors, au début... Non, c'est vrai, non, sur les trucs, les compromissions, au début en Afrique, j'ai eu du mal à... Qui est qui, vous voyez, il y avait deux époques, j'ai eu du... Voilà, mais j'ai trouvé ça assez plaisant, parce que comme c'est dans le décor de la République, avec les ordres de la République, les voitures, les machins, tout ce qui va avec, on s'y croit, c'est très crédible. C'est pas facile d'avoir un petit ami quand on est fille d'un président de la République, je sais ça après, non, mais... Mais être fille de président, ça doit être terrible, enfin, je les connais pas, mais c'est très difficile. Je pense au niveau de l'intimité, c'est un peu moyen, vous avez sans arrêt des gardes sans du corps. Sans arrêt des gardes du corps, j'imagine qu'elles sont suivies tout le temps. Il y a un moment très drôle, d'ailleurs, à propos de gardes du corps, c'est dans la deuxième partie du film, c'est quand Jérémy Régnier qui... Plus ça va, plus a un rôle très important auprès du président de la République, et non seulement son futur gendre, mais en plus a vraiment la place de conseiller spécial quasiment, et il réclame un garde du corps. Et alors il y a un type du protocole qui dit « Ah mais non, les conseillers n'ont pas de garde du corps ». Il dit « Mais j'ai pas dit les conseillers, j'ai dit moi ». Et ça, je trouve que les dialogues sont formidables. Elsa Fayer. Ce qui m'a plus plu dans ce film, c'est finalement ce côté l'ivresse du pouvoir. C'est-à-dire que même si on est idéaliste, si on a de grandes idées, qu'on a envie de changer le monde, finalement quand on s'approche du cœur du pouvoir, ben, on se laisse tenter. Et puis on rentre dans des compromis, et voilà. Et j'ai trouvé ça excellent comme film parce que je trouve qu'en France, on n'en voit pas. On n'en voit pas encore, en tout cas. C'est un vrai thriller à l'américaine. C'est extrêmement précis au niveau des images. Faut quand même savoir qu'aux États-Unis, c'est vrai, quand on réfléchit bien, ils en sont déjà à mettre des présidents blacks aux Exactement. États-Unis dans les fictions. Alors que nous, on en est à peine à en mettre un mec de 40 ans. Je ne sais pas si tu vois un peu le. Non, on mais est quand même. C'est très bien qu'on en arrive en là, même si ça comporte énormément de clichés. Alors ça peut être la part négative du truc. On retrouve un petit peu tout ce qu'on a déjà vu dans les thrillers américains, à savoir. Le rapport du couple présidentiel où chacun finalement vit sa vie et devant les photographes joue un petit peu au couple idyllique avec l'enfant justement aimé et chéri. Les séances de photos sont formidables. C'est extraordinaire. Ouais. Et puis il y a le côté actrice qui attend le président sur le lit alors qu'il ne sait encore rien d'elle et qui se livre à son président. On raconte pas tout quand même. Non, mais ça fait partie de la bande-annonce, donc je ne révèle rien. Ce que Didier Pontel à ce moment-là, c'est qu'il vaut mieux que tout le monde y croit qu'il sort avec cette actrice, alors que même, enfin ça ne s'est pas passé. Pierre Benichou, ça vous tente alors? Moi, ça me tente beaucoup parce que Claire Nebout soit joue ce rôle, parce qu'il y a très longtemps que je sais que c'est la première dame de France. C'est gentil, merci. Non, mais c'est vrai. Je lui ai dit souvent, mais je voudrais lui poser une question. Est-ce que le pouvoir est aussi aphrodisiaque qu'on le dit, le pouvoir des hommes, les hommes de pouvoir? Ou quelqu'un qui connaît Jacques Chirac? Non, merci, je t'amuse. Personnellement... Est-ce que vous comprenez cette attirance qu'ont presque toutes les femmes? Je peux le comprendre, mais ça ne m'est jamais... ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Poussons ta question un peu plus loin. Allez-y. Vous avez joué ce rôle en tant que femme du président. Oui. Bon, on est en période électorale. Il y a beaucoup d'hommes présidentiables chez nous. Certains sont plus ou moins sulfureux, OK. Si vous deviez en choisir un, est-ce que vous seriez séduite par l'un d'entre eux? Mais uniquement pour le cul, hein, on vous parle non, pas de... Non, 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 non. On parle pas de... Je vous dis sincèrement, non. Il n'y a pas que des histoires de sexe hein, dans ce film, surtout, c'est même pas du tout. Hein. C'est un peu plus... Oui, voilà, il faut quand même dire que c'est surtout des problèmes de corruption, des problèmes de coups bas terribles, entre même d'assassinat, même, on peut aller jusqu'à... Jérémy Michalak. Moi, j'ai lu autre chose qui n'a rien à voir avec le film. On va parler de musique et de danse, parce que Claire, vous avez commencé toute petite à faire de la danse contemporaine. Oui, c'est bien vrai. Oui, c'est vrai. Alors justement, moi, je vais vous parler de chorégraphie, puisque vous faisiez des chorégraphies pour de nombreux spectacles. Je vais vous parler d'un groupe d'Américains qui cartonne en ce moment sur Internet. Ils vont rentrer dans l'histoire car c'est le groupe qui est actuellement le plus téléchargé. Plus de 6 millions d'internautes ont vu ce clip. Ça s'appelle OK Go. Regardez. Ça, alors, ça,
c'est vraiment probablement le groupe le plus tendance en ce moment. C'est super bien foutu. Alors forcément, il y a des anonymes qui se sont dit eux aussi, bah tiens, moi j'ai un tapis de gym à la maison, si je devenais célèbre. Sauf qu'en devenant célèbre, vous allez voir parfois que la chute est aussi rapide que la gloire. Regardez. Vous dansez toujours, Pierre Legout ? Oui, en boîte de nuit ou chez moi, quand je fais des booms. Perry. Vous avez dit, j'ai choisi d'être heureuse. Est-ce que vous croyez que ça, c'est un choix qu'on peut faire ? Je crois que c'est un choix qu'on doit faire au quotidien. Je pense que c'est plus difficile, c'est plus facile de se dire ça va pas. C'est un vrai combat de tous les jours de se dire, allez, je décide de prendre je ne connais plus l'expression, mais de prendre le taureau par les cornes, oui, c'est un choix qu'on doit faire tous les jours, mais c'est un travail. Je pense pas que ce soit facile, mais positive attitude en fait. Hein. Oui, voilà. Gueuluc peut terminer. Une petite Claire Nobout qui était. Je voulais juste dire que vous étiez tellement magnifique dans Huis Clos. Voilà, ah, je vous remercie. Ça, oui, il y a pas de quoi, c'est normal. Et je voulais poser. Je retourne au théâtre Marigny en janvier. Oh, et là, quand vous jouiez Madame de Fontenay, qu'est-ce que vous étiez bien. C'est vrai, il y a un peu de chapeau. Et alors, je suis en attente parce que Mélanie, j'ai lu dans une interview qu'en vous décrivant aux journalistes, vous disiez « Je suis brune avec un visage lisse et enfantin », ça c'est vrai, « et j'ai un rire crétin ». C'est faux. Et si non. J'ai un rire un peu débile. Si. Mais je vais pas vous le faire. J'ai un corps sublime. Vous avez dit ça dans une interview. Vous l'avez dit vraiment, oui. Oui. C'est vrai, je l'assume. Expliquez-nous. Mais elle a un corps sublime. Non, parce que j'ai fait beaucoup de danse et Vous avez été mannequin. J'ai été mannequin et je continue. J'ai la chance dans le métier que je fais d'avoir le temps de m'occuper de mon corps et donc je le module. Mais pas besoin d'aide. Pardon ? Vous n'avez pas besoin d'aide. C'est pas possible, Pierre. Mais c'est un grand spécialiste. Je pense qu'il cherche à avoir son numéro de téléphone. Oui, parce qu'il me disait tout à l'heure. Oui, et pourtant, il me disait je n'arrive pas à joindre les Nobout. Joli. L'année prochaine, vous allez commencer, je le dis pour les téléspectateurs de France 2, à tourner la suite de Clara Scheller. C'est possible. Ah, ça veut dire quoi, c'est possible? Que pour l'instant, ce n'est pas commencé. Mais c'est fait, autrement, vous avez envie de le faire. Ah ben, oui. Oui. Non. J'ai dit, voilà, il fallait pas, là. C'était le moment que j'attendais depuis le début, c'était le rire crétin. Il est formidable, merci. Je voulais dire un truc drôle. C'est un rire libéré. Ah, ça, c'est vrai. Alors, Mazarine, elle n'a pas ce rire crétin, là. Non, ça, c'est sûr. Non, mais alors, ça veut dire que vous avez... Non, mais ils sont en cours d'écriture, voilà. Mais vous réservez votre réponse ou vous avez dit oui, déjà? Ah, ben, moi, selon ce qu'on lit, bien sûr, toujours. Ah, donc, c'est pas oui, sûr. Évidemment. Ben, non. Oui, chérie. Alors, en tout cas, je le dis juste à Mustapha, Clara Scheller, elle est trop belle. Je sais pas qui c'est. Non, c'est un petit message perso pour Mustapha. Je disais, parce qu'on disait, mais comment est-ce qu'elle est en vrai, Clara Scheller? Je dis, Clara Scheller, elle est trop belle. Voilà. Non, mais enfin, vous allez arrêter entre Jérémy Michalak, qui drague Mélanie Doutet, Pierre Bénichou, la pauvre, qui drague Claire Nobout. Oh, la pauvre. Oui, c'est très flatté. Allez, Mélanie Doutet et Claire Nobout dans ce film, donc Président, qui sort mercredi. Restez quelques minutes pour jouer avec nous. Oh, qui a vu qui? Qui a vu quoi? Attention, le classement, regardons bien qui est en tête. Caroline Diamant est absente. Elsa Fayer est très, très bien percée, placée. Hein. Pierre Bénichou, c'est pas mal. Annie dans la moyenne. Mais alors, dans le fond du classement, vous avez évidemment Perry Cochin, Philippe Gueluc, qui doit absolument se réveiller. Première photo. On va se réveiller. Vous trouvez des points, vous les distribuez à vos petits camarades. D'accord. Le pape. Le pape. Un point pour Perry Cochin. Oh. Bravo. Ah ben évidemment, il y a que comme ça qu'on peut avoir. Attends que ça monte. Fallait attendre un peu, vous êtes allé trop vite, évidemment. Ben oui, mais après, mais tout le monde est pris de court. La photo suivante vaut 100 points. De qui s'agit-il? Aucune idée. Alors là, c'est un Allemand? Non, pas du tout. C'est un Français? Non, pas du tout. Il est canadien? Un Espagnol? Non plus. Espagnol, non plus. Non, il est russe. Le mari de celle qui est montée dans l'espace? Mais non, elle n'est pas mariée. Non, pas du tout. Sinon, elle ne serait pas montée. Si, elle est mariée. Alors, est-ce que ça a un rapport avec les agences de mannequins, le syndicat pour les mannequins? Dans quel journal c'était? Dans Le Figaro. C'est pas un Américain? Mais il était dans d'autres journaux. Ce n'est pas un Américain. C'est un businessman? Ce n'est pas un businessman. Non. Il est plutôt de l'Est? De l'Est. Qu'est-ce que vous appelez l'Est? Le Grand Est. Est-ce que c'est le nouveau Premier ministre suédois? Le nouveau Premier ministre suédois. 200 points pour Jérémy Michalak. À
Oh, c'est moi le malin, là, hein, Pierre Bénichou. Effectivement, c'est pas ce que j'appelais l'Est. Non, c'est le Nord. Ça. Photo suivante. C'est l'ogive qui devait être désamorcée. Tout le monde. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale désamorcée à Nantes. C'était en plein centre de Nantes qu'on a retrouvé cette bombe. Ça paraît assez incroyable. Allez, 50 points si vous me dites qui sont ces filles. Les championnes de France, les championnes du monde de judo, c'est l'équipe de France. Bravo, 50 points, Jérémy Michalak. Alors là, attention, plus difficile. Ça vaut 500 points. Regardez cette photo. C'est l'homme qui n'a pas de bouche. Non, c'est un type qui se met un truc énorme dans la bouche et que ça fait une bouche qui est grande comme une bouche de métro. Il quoi? Il a mangé un hot dog géant, non, il a gagné de métro. Effectivement, il a battu un record. Il a battu le record cigarettes. De qui fumait le plus de cigarettes en même temps. Non, pas de cigarettes. Il a craché. Il a craché très loin. Non. Un hot dog. Non. C'est une rame de métro. Non. Des brosses à dents. Non, il a quelque chose dans la bouche. Nous, généralement, on n'en met qu'une à la fois. Et... Parce que vous voulez... Non, Laurent. Des tomates. Des sucettes. Des tomates. Des brosses à dents. Des pipes. C'est un fruit? Oui, une pêche. Non. Des cerises. C'est un fruit? C'est pas un fruit. C'est un truc pour les enfants. 500 points. Des brosses à dents. Non. C'est un légume. Qu'est-ce qu'on met dans la bouche? Tout. Lui, je peux vous dire, je vais vous aider, il en avait 264 dans la bouche. Des carrés de chocolat. Des pailles pour boire. 500 points pour Philippe Gueluc. Regardez. Le record du monde de Pizzilio. Philippe, il a raison, en plus, c'est dans le journal Métro, c'est la bouche de Métro, ouais. Tu imagines, tu vides une bouteille de limonade en une demi-seconde avec ça. Mélanie Doutet et Claire Nebout étaient nos invités ce soir. C'est la mère et la fille à l'écran, hein, dans le film Président. Le président dans ce film est joué par Albert Dupontel, un film de Lionel Delplanque. Ça sort mercredi prochain. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Au revoir, à demain.